Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis avec... Sancho de Cuba, que le Sancho pour la salsa! Oh yeah! Oh yes, sir! Et là pour un autre unboxing, celui de la... La Geek Wheel! Du mois de... Juin! Non, Sancho! Mais... Encore non! Yes, c'est plus alors! Mais février, Sancho, février! Mais février, mais ça va pas la tête, le box maintenant en juin! Je sais, mais en fait, la box était perdue quelque part en traversant la frontière. Comme beaucoup de donc, nos frères. Je l'ai jamais reçue, j'ai dû les contacter et ils m'ont renvoyé une autre. Donc, celle-ci est la deuxième qu'ils m'ont renvoyée. Et bien sûr, elle vient avec un retard très exagéré. Ah, ça, tu peux le en dire, fait, cabron. Cette box-ci est, en fait, payé avec le crédit qu'on m'avait donné pour les tasses qui étaient venues casser. Donc, le rayon se rappelle que j'avais reçu les deux cassées sans les poignées. Ils m'en ont renvoyé deux autres. Une autre était cassée, donc j'en avais juste une tasse. Finalement, ils m'ont crédité les tasses pour une future box. Malheureusement, je n'avais pas compris qu'une future box voulait dire la prochaine box. Ils m'ont forcé à prendre une autre box. C'est quand même cool. Voilà, donc, ne tardons plus. On va passer à l'unboxing de la boîte Geek Wheel du mois de février. Je me souviens même plus de l'essence. Mais voici. Ah oui, je me souviens plus. Ils ont toujours ce papier-ci. Et voilà. Donc, je vous montre avant de procéder à l'unboxing. Il y a toujours le petit revue. Mais sur le côté, je vous remontre pour être bien fait. Voilà. Donc, j'avais senti le t-shirt. On va commencer par lui. Fallout 4. Nuka World Amusements. Malheureusement, je n'ai jamais joué à ce jeu. Par contre, j'aime bien le design. Ouais, un très beau design. Ouais. Nuka World Amusement, on voit un chien, puis des explosions, des feux d'artifice. Par contre, ils bombardent. C'est, oui, très très beau. Très très beau. Avec le thumbs up derrière. Très très bien. Donc, très beau t-shirt. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Chaque box Geek Wheel vient avec un jeu Steam. Donc, d'habitude d'une valeur de 10$, mais c'est un jeu complet. Ici, nous voyons que le code vient derrière la carte. Le jeu est Archibald's Adventures, les aventures d'Archibald, donc d'une valeur de 5$. Donc, ce qui est quand même correct, si le jeu est tout complet, peu importe la valeur, elle est gratuite. Voilà, donc ce qui est quand même assez bien, un jeu complet Steam. On continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Power of the Sword Portable Charger. Ça fait penser à Link, à la légende de Zelda. D'accord, c'est une batterie portative. Très très bien, j'adore ces affaires-là. Depuis que Vision Geek en avait envoyé dans ses box, j'en ai 3. Je m'en lasse pas. On va peu importe où est-ce qu'on va, si je m'ennuie, je sors mon portable, papa, je vais sur Facebook, je vais sur YouTube, je joue des jeux, je m'inquiète pas pour la batterie, j'ai une batterie portable qui peut venir la recharger. Donc, on va voir. Ça dit une épée, donc je m'attends à une épée. Oh, c'est ça, une épée qui ressemblera à celle de Link, mais massif. Waouh! On va le... Les deux ports USB sont ici. C'est pas une grosse batterie, mais quand même, ça peut toujours dépanner. À ça, je dis oui.
Même si je ne suis pas fan de Zelda, je dis oui. Une belle épée en 8 bits, qui est en fait une batterie, je dis oui. Un peu grosse, on s'entend, mais non, je ne vais pas cracher dessus. C'est très très bien, j'adore. Ça, j'ai adoré. Excellent. On continue. C'est le poster. Donc, si on a Wham, propriété de Bruce. Qu'est-ce que c'est mignon, ça? C'est de toute beauté un très joli poster. Qu'on voit Batman en enfant avec Arkham ici. Il y a un chat qui rappelle Catwoman. Nous avons une carte ou une tablette avec des points d'interrogation pour le Riddler. Une poupée clown pour le Joker. Un pingouin avec un chapeau pour le pingouin. La Batmobile. Oui. Très très beau. J'adore pour vrai. Ça vient maintenant avec un certificat d'authenticité de Hero in Training par Juan Muniz. D'accord, mais j'adore le poster, il est vraiment beau. On va voir si j'ai de la place dans le nouveau décor pour l'encadrer. Voilà, on continue. Price ticket, admit for one, New Car World. C'est un billet d'admission. J'ai un code, on va le tester. Sûrement le récapépète va me dire ce que c'est. Oh! Depuis un certain temps, Geekfuel s'amuse à reprendre leur logo, le petit robot, et le fusionner avec d'autres licences. Ici, on va reconnaître Stranger Things. Je connais pas le personnage, j'ai pas encore vu la série, mais ça s'en vient. Oui, pourquoi pas. J'aime bien leurs pins dernièrement. Donc, oh, voilà. La boîte est vide. Je vous le cacherai pas. Mon article préféré, c'est la batterie portative. C'est toujours le bienvenu. Je serais rendu à 4, mais je m'en plains pas, je les prends, c'est toujours utile. Des fois, on oublie d'en charger une, on repart avec 3 dans ce cas-ci. Des fois, on pense à sont chargés, ça fait un bout qu'on les a pas utilisés, elles se déchargent. Et là, ça fait toujours du bien de dire, ah, mais une chance que j'ai chargé la dernière. On n'en a jamais trop. Des fois, on va voir même des collègues au travail, des amis, des membres de la famille, qui vont dire, ah merde, mon téléphone est rendu à 12, 9, 6%, 4%. Et tout d'un coup, on le dépanne avec une batterie. On va pas s'inquiéter, on en a toujours une autre pour nous autres. C'est mon article préféré, mais je veux savoir, vous, dites-nous-le dans le commentaire, ça nous intéresse. Quel est l'article que vous avez plus aimé? Je vous rappelle qu'on a reçu la batterie portative. Bien, on verra ce que ça donne. On a eu le Pins Stranger Things, le jeu de Steam. On a eu le poster de Batman Héros l'entraînement. Voilà. Ou sinon, il y a le T-shirt de Nuka World Amusement. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires quel article avez-vous le plus préféré. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu, souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao!